Shiur 16 Refuah Shelema. Ephrat Miriam Bat Yakot. Esther Bat Eliz. Ahuva Bat Mazal. Tiem Refuah Shelema. Rana Vara Segdem. En Arefana Lahem. En Arefana. Ok. Alors. Shiur Meset Chovot Levavot. Shiur 16. Page Lametet. Ou même Aleph pour les petits livres. Vedavar Zedome. Vedavar Zedome, il dit le. Dit le Chovot Alevavot. Vedavar Zedome le Eved, Shnistava me Amelech le Kabel Kesef me Avde Malchuto. Alors avant, il y avait des gens qui étaient en charge de prendre des taxes. Alors on envoyait ce Eved, il allait de maison en maison récupérer les taxes du roi. Qui c'est qu'on envoyait? On envoyait des gens pour aller, chacun 10 dollars, 20 dollars, et qui compte, mes tenues, les comptes, combien il a pris de A, combien il a pris de B, combien de C. Vive deux coteaux, et maintenant, mesouyaf. Et maintenant, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait beaucoup de gens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient du cuivre, ils trempaient dans de l'argent, et comme ça, ils le recouvraient d'argent. Ils voulaient tromper le gars qui récoltait le kilo d'argent. Alors qu'est-ce qu'il faisait? Il regardait, il mordait, il grattait pour voir si c'était vrai. Toutes les grandes magouilles, il les connaissait. Et les gens, ils essayaient par tous les moyens d'être hypocrites, ouais, avec lui, pour que doucement, doucement, il commence à les croire. Et quand ils vont lui apporter l'argent, et qu'il a payé avec son compte, avec son poids, qu'est-ce qu'il faisait? Alors les gens, doucement, doucement, ils essayaient de créer une relation avec le collecteur, de façon à ce que maintenant, il va plus compter, il va plus vérifier, et comme ça, il va pouvoir lui soudoyer et lui mettre des fausses argent doucement, doucement à l'intérieur. Où est Minaem? Et lui, il lui a donné un café, il lui a donné un bonbon, et doucement, doucement, il est devenu copain avec eux. Et un jour, il arrive, il a pris l'argent, il est tout fier de lui, et il est arrivé au palais. Et quand il arrive au palais, qu'est-ce qu'il voit? Qu'ils lui ont loué, ils l'ont été mesouyaf, ils l'ont doublé, ils lui ont joué un coup. Ouais. Vite atzel, il va kach imaemet ou kedivrehem. Et qu'est-ce que lui, il a fait? Il a été mit atzel, il a feignanté, comme on dit chez nous. Ouais. Il a été un fainéant. À la place de faire attention, qu'est-ce qu'il a fait? À la place, il a pris un café, il a mangé un pain au chocolat, et avec ça, on a pu le rouler, comme dans la farine, comme il devait faire. Vehekel vimitatameler. Alors maintenant, on va dire, ouais, mais qui t'a permis de boire un café? Qui t'a permis de leur faire confiance? C'est pas ton travail. Ton travail, c'est quoi? Ton travail, c'est de faire ce qu'on te demande de faire. On raconte qu'il y avait un jour, il y avait une histoire, comme ça, il ramène, Rav Zilberstein, il ramène, qu'il y avait un jour, un docteur. Un docteur, il était un jeune docteur, très, 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 très bon docteur. Et il était mamash, un docteur excellent. Alors, on l'a envoyé à travailler dans les soins intensifs. Dans les soins intensifs, c'est pas comme les autres malades. Chaque patient, c'est très important. Alors, on dit, voilà, monsieur, faites attention. Quand il y a deux patients, vous avez le droit de rester seul. Dès qu'il y a plus que deux patients, vous devez faire appeler qu'il y a un autre docteur qui va venir. Quand il y aura quatre patients, vous devez amener un troisième docteur. C'est votre responsabilité. Top! Le médecin était plein de gava. Et il dit, moi, je peux gérer tout seul. Il a géré un patient. J'irai un deuxième patient, j'irai un troisième patient, j'irai un quatrième patient. Et quand il y a le cinquième patient, il a fait une crise cardiaque, il est mort. Là, la famille, j'en ai le médecin en cours. Qu'est-ce que tu as fait? T'es-tu notre père? Le médecin, il a dit, mais de quoi? Moi, j'ai pas dormi. Toute la nuit, j'ai travaillé. J'ai fait ce que j'ai fait, demandé aux infirmières, regarder les caméras. Je me suis pas arrêté une seconde. Il dit, le docteur, le juge, tu as raison. Mais tu as été mit atzel. Tu as eu quelque chose que tu as fauté. Tu as dépassé le protocole. On t'avait dit qu'après deux patients, tu amènes un deuxième médecin. Après quatre patients, tu amènes un troisième médecin. Et toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu as voulu jouer le Zorro. Tu as voulu jouer le héros. Et maintenant, tu as tué le patient. Pourquoi?
parce que tu as été mitmalé begaava à cause que tu avais dû faire le protocole d'amener un deuxième, un troisième médecin. Pareil, on t'a pas demandé de faire confiance aux gens. Qu'est-ce qu'on te demande? On te demande de compter l'argent, vérifier si tu as pris du shochad, tu as pris des pots de vin, c'est de ta faute que tu as fait. Et quand il arrivait devant le roi maintenant il demande d'amener l'argent. Et quand il a demandé combien il y a d'argent, combien il y a de poids, il ne pouvait pas répondre. Mais je ne comprends pas, comment tu ne peux pas répondre? Tu es payé pour compter, tu es payé pour vérifier l'argent. Dit, mais de quoi tu parles? Comment tu as été sommaire sur quelqu'un? Dit, je comprends pas comment tu as été capable de laisser qu'on te donne l'argent. Fallait écrire A, 100, B, 25, C, 3. C'est ton travail. Comment tu as fait cela? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il dit, si à la fin du compte, le Meller, il fait les calculs et il voit que Bémet, tout le monde a payé. Tout le monde a bien fait. Personne n'a volé. Il dit, vote, tu vas être puni du roi quand même. Pourquoi? Parce qu'il y a deux tzivouyim dans le roi. Un, que le Meller, il obtient le montant d'argent qu'il faut. Et numéro deux, que toi, tu fais ton travail. Que l'homme, que les gens, ils ont payé, toi, Valère. Aval, toi, tu as été poché. Pourquoi toi, tu n'as pas fait ce que le Meller, il veut? C'est marqué, la Torah dit, dans Parashat, en Eretz Israël, c'est Parashat Matot déjà, donc on est déjà dans le Chot Nedarim. La Torah dit que si une femme, elle a fait un Neder, et après le mari, il a enlevé le Neder. Pourquoi? Parce qu'un mari ou un papa a le droit d'enlever le Neder de sa femme ou de sa fille, Beyom Shom'o, le jour il va écouter, le même jour. Et au moment où il l'entend. Et la Torah a dit, Vehashem Islahla, et Dieu va lui pardonner. La Gemara, de quoi Dieu va lui pardonner? La Gemara a dit, à cause qu'est-ce qui se passe? Il y avait une femme, elle a dit, je ne vais pas manger des bananes. Le mari l'a entendu, qu'elle veut manger des bananes. Le mari ou le père, il a enlevé le neder. Maintenant, elle ne savait pas. Et maintenant, elle a mangé des bananes. Même que Behemet à la Tachlès, comme on dit à la fin. Elle n'a pas fait de Avera, parce que le mari l'avait enlevé le neder. Mais du fait qu'elle, elle a mangé la banane en pensant qu'elle faisait une avera, Vachem Islachla, il y a une avera. Maintenant, pareil, même si toi, à la fin, tout le monde, il a payé ce qu'il devait. Mais toi, tu as failli à ta tâche. De quoi? De compter et de faire ce qu'il y avait à faire. Veilu loya eved mesugalaze, loya necha mamash samach aleem. Pourquoi? Parce que le Melech lui a dit, pourquoi on t'a choisi? Pourquoi on t'a choisi à toi de compter l'argent? C'est parce que toi, tu es un comptable. Toi, tu es une bonne personne. C'est ton travail, tu sais écrire. Tu connais le programme informatique. Comment ça se fait que tu as laissé les gens ne t'embrouiller la tête? Donc, du fait que tu as failli au travail, alors automatiquement, le Melech, il va te punir. Maintenant, on ne punit pas le gars qui ne sait pas compter. Et on ne punit pas le gars qui ne sait pas vérifier. On t'a appris un métier. On t'a donné une responsabilité. Il faut la faire. Et maintenant, tu as failli ta responsabilité. Vechenata. Ilou lo haïta yachol le agiali de havanat amasod et sikhlecha. Si tu n'avais pas été capable de comprendre ce que c'est Ahavat Hashem, ce que c'est Yirat Shamaim, ce que c'est Ahavat Aboré, comment on fait les affaires. Ouais, c'est Akadosh Baruch Hu, il ne t'avait pas donné une tête. Alors, on ne t'aurait rien fait. Si Hashem t'avait créé un robot, un ordinateur, on ne lui demande pas pourquoi tu ne réfléchis pas. L'ordinateur lui dit A, il répète A. B, il répète B. L'intelligence artificielle n'existe pas. On ne peut pas arriver avec cela. Donc on peut seulement te redonner. Par exemple, un homme, on va demander quelle est la raison de Shahatnez. S'il me rédige, je ne sais pas, je ne lui punis pas. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu a dit c'est un chok. Un homme, pourquoi tu ne manges pas Bassar Bechalav? Chok. Para Aduma, justement Meler, Darashti, Vehakarti, Veodirecho Kamimeni. L'homme de justement Meler a dit, j'ai cherché et je ne suis pas arrivé à comprendre. Kigoni sur Chatnez, ou Bassar Bechalav, Azaïta Tzodek. Alors dans tout ça, tu as raison. Bema, Sheinecha, Monea, et Tatsmecha, Mimer Karze. Un homme, il n'a pas besoin de chercher le Ta'am de la Para Aduma. C'est Chaval Alazman. Perde ton temps. Va apprendre
les halachot Shabbat. C'est plus intéressant que de prendre une svara que tu vas jamais savoir. Vechen, yiluay adatra miday ketzara. Si ton sechet est petit, veakaratra eta miday chalasha mila sigoto. Et ta pensée a été trop faible pour pouvoir arriver. Alors tu vas pas être puni pour ce que tu as fait. Si le roi il met en charge un homme qui sait pas compter à la comptabilité, il peut pas punir le gars qui a fait des erreurs. Je suis pas comptable. Alors automatiquement, comment tu veux que me punir? C'est toi qui m'as mis là-bas. Mais si on choisit un comptable et le comptable il a fait une erreur, le comptable il est puni. Pourquoi? Parce qu'il s'appelle le comptable. Pour aller chez quelqu'un, tu vas chez un employé, tu vas chez un gars, il fait des rénovations. S'il te plaît, est-ce que tu peux m'arranger, je sais pas moi, ma plomberie? Tov, tu prends un plombier. Le gars, il vient, il va, il expose le tuyau, il te fait un dommage. Qui est capable de payer? Le plombier. J'ai pas pris un peintre, j'ai pris un plombier. C'est marqué chez toi, plombier. À toi de savoir quoi faire. Tu as mal fait, tu payes. Ouman chez quelqu'un, tu es chayav, tu vas faire. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'il a fait, un chochette. Il fait shechita, il rate à shechita. Le shochet doit payer l'animal. Il peut rien faire. Il n'a pas des yeux dans la, il n'a pas des yeux dans le ventre pour savoir. Mais s'il a raté, il est chayav ce qu'il a fait. Un bijoutier, il casse une bague. Chayav, un plombier. Chayav, un peintre. Chayav, pareil. On est les employés d'Akadosh Baruch Hu. Comment ça se fait qu'on ne va pas travailler les mitzvot? Borel, un sechel, l'intelligence. Apprends les mitzvot, à comprendre les mitzvot. Pas seulement répéter comme un âne ce que les gens ils ont à faire. Vetiye domé nashim tanim, ama aminim, ou mekayem et mitzvot, mitzvot masoret. Et on n'a pas envie d'être comme des gens qui sont pas, qui n'ont pas d'intelligence et qui n'ont pas de savoir, comme un petit enfant. Un petit enfant, il fait les choses comme on lui dit. Aleph, aleph, bet, bet. Il n'y a pas de sechel pour savoir, pour pouvoir faire. Ouais, à l'époque, même malheureusement, les femmes, elles n'avaient pas des bêtes séminaires, elles n'avaient pas d'école. Alors, tout se passait à travers ma soirée de pouvoir y arriver. Les hommes, ils vont à la yeshiva, vont au collège, ou les filles, vont au séminaire. Alors, automatiquement, elles doivent se réfléchir au tan et mitzvot. Avali meshlecha da'at utevuna. Akadosh Baruch Hu t'a donné du da'at. Udvuna, shinecha yachol lehavin ba'em et shorshe hadat v'yisodot ha-mitzvot. HaKadosh Baruch Hu nous donne un sechel incroyable pour comprendre la racine de toute la religion, de chaque mitzvah et les secrets des mitzvot. Shikibata me masoret me hachamim me shemaneveim que ils t'ont donné Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Yosef, Aaron, Shlomo, Yirmiya, Yeheskel, Shlomo Amelia, David Amelia, tout ce jeu-là, tout hachamim, tanaim, l'amoraim, et nous, à nous de comprendre, ata metsuve leishtamesh bedatra obitvantecha, ad tavin ta inyan. Et tu dois utiliser ta tête pour comprendre. On raconte qu'il y avait une blague. Pour comprendre ça, on raconte une petite blague. Il y avait un jour, un homme, il va voir le docteur, il arrive, il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, monsieur, votre cerveau, il marche plus. Il faut changer de cerveau. Il change de cerveau. Il dit, ok, faire une transplantation de cerveau. Il est malade. Top. Alors il va au magasin, il dit, voilà, vous avez le choix. Un cerveau à 10 000 dollars, un cerveau à 1 dollar. Il lui dit, c'est qui le cerveau de 10 000 dollars? C'est de Yitzhak, le grand haram de la ville qui est mort? Et le cerveau de 1 dollar, c'est de Mohamed? Non. Le cerveau de Yitzhak, il vaut 1 dollar. Le cerveau de Mohamed, il vaut 10 000 dollars. Il dit, mais je comprends pas. Mohamed, il a jamais rien fait de sa vie. Il dit, c'est pour ça, il est tout neuf. Ok? L'homme, il doit utiliser sa tête. Il peut pas mourir avec le cerveau qui est toujours neuf. Il faut qu'il utilise. Akadosh Baruch Hu donne un chokma. Il utilise sa tête. Il dit sa magie grise. Chimant, le cerveau était tout usé. Toute sa vie, il a travaillé pour ça. Alors, il doit faire. L'homme, il doit être par tous les moyens, utiliser les kochotes qu'on a reçus pour pouvoir arriver à comprendre. Vehu yebarou lecham, aidea masoret va aidea sechel gam yachad. L'homme, il doit arriver aux conclusions par deux choses. D'abord, on est un ma'amin. Pourquoi la Gemara, elle nous apprend une chose. Pourquoi on pose des questions? Souvent, les gens, ils n'aiment pas les questions. Tu vas à l'église, ils n'aiment pas les questions. Tu vas à la yeshiva, il y a que des questions. Quelle est la différence? La différence, elle est, c'est que nous, on n'a pas peur des questions. Et si on n'a pas de réponse, c'est pas grave. La Gemara souvent demande, Baé Rabbi Irmiya, il demandait Rabbi Irmiya, un grand rave, il a plein de questions.
La Gemara dit Tekou, je ne sais pas. Tishbi et Taretz Kushiot ou Bayot. Que quoi? On ne sait pas. Qu'est-ce qu'a fait la Gemara? Elle continue. Ça n'a pas dérangé personne de ne pas répondre à une question. Ça veut dire que notre cerveau, il marche sur deux moteurs. Il est en hybride. C'est quoi en hybride? Un, Aïdé Masoret. D'abord, on est Ma'amin, Bene Ma'amin, Kikadosh Baruch Hu, il a tout raison. Et que si je comprends ou je ne comprends pas, ce n'est pas grave. Deux, je travaille par rapport à avoir ma tête pour pouvoir comprendre. Si je peux comprendre, inématov. Et si je ne peux pas comprendre, alors ce n'est pas grave. Il ne faut pas que ma émouna, elle dépend de ma chokma. Si ta émouna dépend de ta chokma, ça c'est grave. C'est pour ça qu'il dit qu'il faut avoir deux choses. Un, avoir la émouna, et on fait les mitzvot d'aider ma soret. Tu mets tes filines parce qu'il faut. Tu mets nousa parce qu'il faut. Maintenant, à toi de savoir pourquoi. Mais maintenant, je n'arrive pas à comprendre. Tu n'arrêtes pas. Un gars, il ne dit pas, ah, je ne comprends pas, Shabbat, c'est pas Shabbat. Havé Shalom. T'as une question? Tamshikh Allah. Miyama Kotomoni peut comprendre. C'est pas grave. Mais au moins, on doit essayer. C'est pour ça qu'il dit que la personne, il doit marcher en hybride. Un en hybride sur la Masoret. Et un à aider à Sechel Gagnachad. Ve'im ta'alem betivsha badava. Et si maintenant, la personne, il fait pas qu'est-ce qu'il a à faire, az lo temale kara'u yetma shemutal alecha kalpe borach ha'id barach, si la personne, il fait pas qu'est-ce qu'il a à faire, ah, c'est pas grave, ah, c'est pas grave, ah, c'est pas grave, alors tu vas être comme ce docteur qui a laissé les gens mourir. Il dit, ouais, mais j'ai tout fait. T'as tout fait, à part ce qu'il fallait. Qui t'a demandé de t'occuper de 4 patients? On t'a demandé d'appeler un médecin en sur place. Qui t'a demandé de juste être ma'amine bêtement? Sois ma'amine be'emouna. Prends un Sefer HaChinuch, prends un Rambam, prends des mitzvot, essaie de comprendre. Prends une Gemara et comprends comment faire une mitzvah. Ah, je savais pas. C'est vrai, tu savais pas. Personne ne sait tout. Il faut aller travailler pour pouvoir comprendre. Ouais. Az lotemale karaoui et ma shemutal alecha kalpe boreach ha'id barach. Akadosh Baruch Hu nous a donné une raison particulière. Boré Olam a donné à l'homme un tafkid. Et ce tafkid-là, on a reçu un outil pour arriver. C'est quoi? Chochma, Bina, Da'at. On est à Kadosh Baruch Hu depuis le début des temps. Il a écrit Aktav et Hamichtav. On est à Boré Olam. Il n'a pas voulu qu'on soit des ignorants. C'est pas comme chez les curés. Les curés, pendant des millénaires, ils ont essayé des centenaires de laisser les gens bêtes sans savoir lire, sans savoir écrire, sans savoir compter, pour les contrôler. À Four à Torah, chaque juif, il doit savoir lire, doit savoir écrire, savoir comprendre, savoir avec les points, sans les points, Masoret, il y a ce que tu lis, ce que tu vois, ce que tu vois pas, t'as amé d'écras, tout ça, Torah t'a donné. Pourquoi? Pour utiliser tes méninges, pour utiliser ta matière grise. Utilise-la comme il se doit. Et si tu fais pas, alors tu es comme cet homme, cet esclave, qui a fait confiance aux gens de donner l'or et l'argent. Et il dit, même si à la fin de ta vie, il dit le Chovot HaLevavot, tu n'auras fait aucune avéra, tu auras tout fait bien, mais du fait que tu as fait confiance sans savoir, alors tu vas être puni. Pourquoi? Parce qu'on t'a donné une mission à faire qui est en double temps. Un, d'avoir l'argent du Melech, et deux, de compter l'argent du Melech. Un homme me demande combien de mitzvot, mais fait, je ne sais pas. C'est quoi les mitzvot Torah? Je sais pas. Comment tu sais pas? La Torah des Tariag mitzvot, compte-les. C'est quoi une mitzvah? Combien de melechot Shabbat? 37? 39? Combien? Combien de toldot? Je sais pas. Quoi tu sais pas? Tu sais pas ce qui est permis? Tu sais pas ce qui est assaut? Tu sais pas comment on fait? Comment c'est possible? Je demande à mon rabbin. Et comment tu fais Shabbat? Tu appelles qui le rabbin? Comment on va faire? Il y a un chiyuv de savoir. L'homme, il a un chiyuv de savoir. D'essayer au moins de savoir. C'est notre obligation d'essayer de pouvoir faire ce qu'il y a à faire. Et ça, on va l'expliquer à travers deux preuves. Une preuve du Tanakh, ouais, à savoir que l'homme, il ne peut pas se suffire seulement de la Masoret. Et il doit aller, lui aussi, chercher, comprendre, se forcer et bouger ses ménages. Les gens, ils aiment pas beaucoup tout ça. Les gens, ils aiment juste oui, oui. Ouais, oui, oui. Ils aiment bien des oui, oui. Quand j'étais petit, il y avait un livre qui s'appelait Oui, oui. Ils disaient toujours à tout le monde oui, 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 oui. Les gens, ils aiment tous des oui, oui. Ils aiment pas travailler. Ou bien, ils aiment que avoir leurs questions. Ils aiment pas aller savoir la hakira, être roquer.
C'est pour ça que toujours, dans la Torah, on appelle ça des chakirot. On est choker. C'est quoi? C'est quoi la mitzvah? Comment on fait? C'est moi qui fais? Gavra, Cheftza, sur qui? Sur comment? Combien? Chaque chose, de comprendre comment arriver. Reaya achat, yini ma shamra Torah. La Torah dit dans Parashat Shoftim, ki pale mimecha dava la mishpat ben dam le dam. Ben din et din ou ben nega le nega. La Torah dit quand tu vas arriver à un sujet, tu vas pas comprendre. Il y a a priori deux choses qui ont l'air pareilles. Et pourtant, un il est moutard, un il est assour, un c'est un sans permis, un c'est un sans interdit. Il y a du sang du poisson que tu peux manger, du sang animal que tu peux pas manger. Il y a du sang de nida qui est permis et du sang de nida qui est pas permis. T'as pas le droit de manger le sang, mais tu peux manger le foie. Pourtant, c'est du sang. Tout est permis. Ben din et din. Des fois, un saint grama, un saint garmi. Grama, c'est pas tour. Garmi, c'est khayav. Ben nega, les nega. En une saraat et une autre. Pourquoi celle-là, elle est métamée? Celle-là, elle est pas métamée. La Torah dit, Ve'asita al piyadavar ashayagidou lecha. La Torah dit, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller chez le rav de la ville. Et tu vas demander, Rabbi, comment ça marche? Pourquoi c'est un metao? Pourquoi c'est un sourd, c'est moutard? Pourquoi c'est metamé, c'est pas metamé? Qu'est-ce qui se passe? La Torah dit vehasita al piyadavar ashagidulecha. Ou kshetamid boni badi manichali, mais pas sous kazé. Et quand tu réfléchis à propos de ce qui est écrit là-bas, il barait lecha shem devarim sheish ladem et parateim. Tu vois que la Torah dit qu'il y a du sang tamé et du sang taor. Il y a un néga tamé, il y a un néga taor. Et l'homme, il doit aller apprendre la différence qu'il y a entre ça et ça, ou les chalek benem, ou les dayek baem, alpi amasoret. Et il faut comprendre quelle différence entre ce negat sarat et ce negat sarat. Velo alpi reayot asechel. Tu peux pas juste aller avec ta tête. Il faut comprendre pourquoi Hachem, il a été métamé ce dame, et pourquoi il a été métamé ce dame. C'est pas une svara ici. Ici, c'est quoi? C'est Kabbalah, bir hachamim. Quand est-ce que le dame Nida il est métamé? Et quand est-ce que le dame Yoled est parmi les métaères? Combien de jours? 40 jours? 80 jours? Atkama dit Shurim Batora. Autant de Hazal. Aujourd'hui c'est différent. Aria Indicharwe. Shelo Niska Bichadir Melu. Et la Inyan Shevcha. Leasig Oto Aidia Sechet. Ouais. Tu vois que la Torah, elle n'a pas mentionné d'Alachot. Ouais. Seulement des choses que tu peux arriver à comprendre. Share Ha Torah Lo Amra. Sheta amin aide chokhmat Torah. La Torah t'a pas dit de croire. Vechet ismor ala masoret shem kiblou. Et de recevoir. Que sheye lecha safek. Be ardout habore. O be shemotav. O be midotav. Ouais. Quand tu dois dire le nom de Kadosh Baruch Hu. Ou dans que tu vas arriver. Regardez en bas dans Pitrelev. Il ramène au nom du patlechem. Et dit qu'est-ce que ça veut dire. Shemot Kadosh Baruch Hu. Et midot d'Akadosh Baruch Hu. Vous avez la medhe en bas. Et be'ezé shemot, alenu le ta'er oto. Il faut savoir qu'on peut pas toujours dire, par exemple, quand est-ce qu'on dit Hashem, Adnout, des fois on dit Havaya, des fois on écrit Elohim, des fois on écrit Kel, des fois c'est Shakai. Ça, comme ça, on choisit. C'est un chapeau de magicien. Et on choisit qu'est-ce qu'on a à voir. Non. Kemo shamaru rabotenu adam arishon. C'est marqué dans le Midrash Rabba, Shama lo Akadosh Baruch Hu ve'ani ma shemi. C'est marqué que Akadosh Baruch Hu a demandé à Adam Arishon de nommer tous les animaux de la terre. Et Adam Arishon, il a nommé une vache, un mouton, une girafe, un taureau, un lion, chaque oiseau, chaque insecte, ce que les malachim n'étaient pas capables de faire. À la fin de tout, quand Adam Arishon, il a passé tous les animaux de la terre, Dieu a dit, ok Adam Arishon, je vois que tu es chacham, et moi comment je m'appelle? Comment moi, Boré Olam, je m'appelle? Amarle, Amalo, Lecha, Nael, Ikarot, Adonai. Il lui a dit à toi, c'est beau de t'appeler mon maître. Shata, Adon, Echol, Briotecha. Parce que toi, tu es le maître de toutes les créatures. Vechen, Raoul, Ikro, Oto, Elohim. Et il lui a dit aussi, tu mérites qu'on t'appelle Elohim. C'est quoi Elohim? Elohim, il y a deux significations. Qui est Akadosh Baruch Hu, Elohim, ou bien Elohim Nitsa Be'adat En. On voit que les Dayanim, comment ils s'appellent? Ils s'appellent aussi En. Elohim, Akadosh Baruch Hu, ouais, Nitsa Be'adat En.
il se situe dans l'assemblée des El. C'est qui les El? Et c'est Dayanim. Donc du fait que Kadosh Baruch Hu les aretz, du fait que Kadosh Baruch Hu il juge tous les gens de la terre, alors il a fait Na'el Echa Elohim. C'est beau de taper toi Kadosh Baruch Hu juge du monde. Vechen Beshara Kinuim. Pareil, Havaya, c'est quoi Havaya? Yudke Vavke, c'est Haya Oveveye, du fait que beaucoup tu étais, tu es, tu seras. Alors il y a un nom. Afalpi, Shesh le Kulam, Sodot, Kemusim, Bedouim, le Chachme Haemet. Malgré que chacun d'entre eux, il y a un secret incroyable, Alpi Akabala, Bechozot Akavana, Pshuta, Shelashemot, Im, Mitzad Asechet. Il en reste que l'homme, il doit comprendre. Pourquoi on choisit ce nom maintenant et pas un autre nom? Exemple, même quand on met les nekudot, les voyelles sur Kadosh Baruch Hu, si vous regardez, chaque bracha, atahonen, hashivenu, refaenu, chacun d'entre eux, elle a un nekud différent. Pourquoi? C'est un par rapport aux séphirot différentes qui ont à voir aux midot, par rapport au nom d'Akadosh Baruch Hu, Atachonen, c'est Chochma. Alors il y a un patar, après c'est Refaenu, après c'est Re'ena Bonienu. Chacun d'entre eux, il est par rapport à Chochma, Bina, Yivura, Heset, Iferet. Chacun d'entre eux, il a une Nikuda. Et ce Nikud, il est par rapport à une limite d'Akadosh Baruch Hu. Et là, il doit savoir, c'est pas un Balagana Torah, c'est pas un bazar que tu prends n'importe quoi et que tu vas arriver. L'homme doit savoir quel midot d'Akadosh Baruch Hu il faut utiliser. Ou bien une parmi deux des racines de la Torah que la personne doit savoir. Comme la personne, elle doit savoir que c'est quoi le bitachon? On ne peut pas juste dire ouais, je crois en Dieu. Plein de gens y croient en Dieu. Mais au bout d'un moment, tous ils vont partir. Malheureusement, ils ont la Emouna, mais ils n'ont pas le Bitachon. Comme j'ai expliqué, on peut savoir que Bill Gates, il est milliardaire, mais savoir est-ce qu'il va t'en donner un sou, tu peux rêver jusqu'à demain, il ne va pas te donner un sou. Donc tu as la Emouna, mais tu n'as pas de Bitachon. Ouais, pareil. À l'inverse, à Kadosh Baruch Hu, on doit avoir Ma'amin, Be'emouna Shelema, Shach Baruch Hu, Barat Ha'olam. Que Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde, Akadosh Baruch Hu Akol Yachod, et Bitachon, Shakadosh Baruch Hu Oset Akol, Shomeat et Filotai, Akadosh Baruch Hu il écoute ma prière, Akadosh Baruch Hu il merachem alai, Akadosh Baruch Hu il mechanen alav, Akadosh Baruch Hu il ose avon alai, Vechen Shara Devarim, O Bechan Mishar Shad, Baruch Hanai Leolam, Amen ve Amen.